Bonjour, c'est Emma pour EcoInfo 3. Je suis avec Louise, mais où est-elle? Bonjour! Aujourd'hui, on va vous présenter les animaux en voie de disparition. Ouf, tu es là, j'ai cru que tu avais disparu. En premier, on va vous présenter les animaux de France. D'abord, il y a les rhinolophes du Mali. C'est l'espèce de chauve-souris la plus menacée de France. On a aperçu quelques spécimens dans le sud durant les années 50. Mais depuis, seule une de ces chauves-souris a été vue, dans le département de l'Hérault. Il y a aussi le grand hamster ou hamster d'Europe. On peut en apercevoir parfois en Alsace, mais c'est rare, car il reste moins de 1000 spécimens chez nous, pas plus. Comme pour beaucoup d'autres espèces menacées, ils sont devenus rares à cause de l'urbanisation. C'est quoi l'urbanisation? C'est la construction de bâtiments et d'autres éléments qui permettent d'agrandir les villes ou d'en créer de nouvelles. Toujours en France, on peut citer le loup gris, qui est sur la liste rouge des espèces menacées. Quel dommage! Il y a aussi les hérissons. Ils sont victimes de pesticides, de l'urbanisation ou encore des voitures qui les écrasent quand ils traversent la route. Depuis l'an 2000, 75% de la population des hérissons français ont disparu, soit 3 sur 4. Oh, mais c'est trop triste! Et d'ailleurs, c'est quoi les pesticides? Les pesticides sont des produits qui tuent toutes sortes d'animaux nuisibles, comme les insectes, les rats, les souris, etc. Ah d'accord. Pour finir, nous allons parler des éléphants. Les éléphants d'Afrique sont les plus en voie de disparition, car ils sont tués surtout pour leur viande, leur peau, mais aussi et surtout pour leur ivoire. Et d'ailleurs, c'est quoi l'ivoire? L'ivoire, c'est les défenses des éléphants. Il y a aussi les guépards, qui, eux, n'ont plus assez d'espace à cause de l'urbanisation. Une fois de plus. Et voilà, notre émission est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Et aussi activer la petite cloche. Pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Bye.